Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoyo, c'est Guncho. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures en compagnie de cette somptueuse Piper qui m'a posé des questions que j'ai pas compris vu que j'avais sauvegardé entre temps et quelque chose, je reprends. Quoi. Donc voilà. Vous avez mis du temps à le remarquer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'aurais besoin d'aide. C'est pas le genre de truc dont je parlerais à n'importe qui. Mais vous avez l'air de savoir vous y prendre avec les gens, alors vous pourriez m'aider. C'est ma sœur, Nat. Elle devient moi. C'est quoi cette question? C'est synthétique? Elle devient vous? Comment ça? Je suis terrifiée à l'idée qu'elle commence à faire comme sa grande sœur. Regardez la vie qu'on mène. Sans vouloir vous vexer, la sécurité, c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux. Je refuse qu'elle finisse comme sa grande sœur, à risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop. C'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes. Avec vous, en l'occurrence. Je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle, peut-être qu'elle se calmera. Elle redeviendra la douce et innocente Nat, vendeuse de journaux et citoyenne lambda. Qu'est-ce que je dois faire? Vous l'aimez, et la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous ne devez pas la fuir. Sans quoi, vous risquez de la perdre pour toujours. Vous avez raison. Je peux pas risquer une chose pareille. Merci. J'aurais pas cru que ça pourrait m'apporter autant de voyager avec quelqu'un d'inconnu. On n'en fait plus des comme vous. J'ai de la chance d'être votre amie, vous savez. Juste une amie, hein? Oui, enfin je croyais, à moins que quelque chose change, quoi. Il fait chaud d'un coup, non? Vous trouvez pas? En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est un point en moins de pouvoir parler à cœur ouvert avec quelqu'un. Bon, on y va? Ok, on y va. Oh merde. Bon, j'espère que ça t'enregistrait. Bon, bref, voilà, enfin, dire, voilà. Bref, passons. C'est quoi là-bas? Dites pas que c'est un super mutant à la con que j'avais tué dans la ville. Je ne sais pas pour vous, mais je vais juste faire une petite sauvegarde. Sauvegardons ça. Ah, pétard. Bon bref, allons-y. Est-ce que je vais tuer cette bestiole? Behemoth, ok. Bon. Je voudrais dire que c'est une suicide. J'ai pas un... Ah si si, j'ai un lance-missile. On va utiliser le lance-missile. Oh! Ok, ça lui passe au-dessus de la gueule. Ok! Ok! Ok, Behemoth! Coucou! Ouh! Oh my god! Sérieux là? Alors, je peux courir. Oh! What the fuck? Oh my god! Ça me rappelle un truc ça. Skyrim! Skyrim! En Skyrim, tout simplement. Bon. Les mecs, on va passer discretos, on va pas attaquer cette bestiole. Je crois que j'ai une quête qui se ramène un peu plus haut là. Normalement, je crois que je dois retourner. Hein, Bon, j'ai pas de quête de toute façon ici à faire. J'ai un niveau à mettre, on va mettre ça tout de suite. Ok, d'accord. Ah, je peux pas mettre le. Ah, c'est ok. Il faut quoi? Niveau 39, ok, on va attendre alors. Recycleur, non. Antique, non. J'ai pas envie de mettre scientifique. Bon, ça c'est à fond.
Ouais, ça je pourrais l'améliorer, tiens, un petit jour. Amphibie, ok. L'eau est trop votre allié. Genre. Ah! Vos épingles à cheveux. Ah, mais ça c'est au niveau 41, ok. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Chien d'attaque, non, c'est quand je fais Kanigou. Je pack Kanigou. Homme d'acier. Chaque seconde compte les points d'action sur l'air, ça coupera plus rapidement. Quoique, ça peut être pas mal ça. Automatique, ouais. Je sais pas quoi mettre comme truc. Ça peut être pas mal ça. Mais non. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre hein? Quelle question. Je crois que je vais mettre ça. Un petit point là, ça va faire du bien. Ça au moins je ferai des gros dégâts avec les armes lourdes, c'est-à-dire ouais les armes lourdes. On va faire ça. Ok. Alors voyons voir, mais. Bien. C'est encore gaffé. Je voulais y aller où en fait? Enfin du moins il faut que j'aille au commissariat pour vendre des quêtes. Là il faudrait que j'aille pour au musée de sorcellerie. Que je vais aller rendre la quête. Là. Elles étaient pas là avant. Attendez, ce sont des symboles de la confrérie? Oui, c'est des symboles de la confrérie. Eh oui. Allez. Rentrons au barquement. Alors, un kilo de maquette. Ok, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas trop tôt. Alors, vous avez nettoyé la zone cible? Oui. Récompense? Allez. J'ai droit à une récompense? Dance m'a autorisé à vous rémunérer. Ok. Affirmatif. Impressionnant. Continuez de faire vos preuves et je commencerai peut-être à vous faire confiance. Voici votre paiement. On a du pain sur la planche pour exterminer toute la vermine du Commonwealth. Si ça vous intéresse de repartir en mission, revenez me trouver quand vous voulez. Ok. Quelle est la mission? Vous avez la mémoire si courte? Je vous parle d'éliminer des mutants, des ghouls, des synthétiques. Vous voyez le genre? Oui. C'est bon pour moi. Bonne okay. Réponse. Vous trouverez toutes les précisions sur votre carte. Venez me faire votre rapport quand vous aurez nettoyé la zone. Ok. C'est pas énorme avec un truc là. Oh, non, j'ai dû le ramasser là. Allez, laissez-moi prendre quelque chose. Mais que des... Bon, c'est parti. Hein. Vous avez envie que je vous aie à la bonne? Scribe. Que je vous ai confié. Portez l'artefact dans un seul morceau. Oui. Tenez, le voici. Et je vois qu'il est toujours en bon état. Tenez. C'est pour vous. Votre découverte va faire plaisir à nos scribes.
Je cherche toujours du matériel technologique. Quand vous voudrez y aller, venez me trouver. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez récupérer un artefact technologique à l'endroit que je vous indiquerai. Préparez-vous à rencontrer l'opposition en chemin. Ok. Bon, affirmatif. Parfait. Voilà. La zone est indiquée sur votre carte. Bougez-vous. Ok. J'adore la confrérie, enfin plutôt leurs soldats là, ils sont ouf. Mais quand même, j'ai envie de voir ce, quand même, ça là, le musée là. Donc je crois que je vais y aller tout droit. Peut-être. Enfin, non, je vais aller tout droit. Ah, mais. Je suis un peu lourd là, je crois. Non. Ah ouais. J'ai quand même du poids sur moi, quand même. Ok, bon. On passe par là. Non, en fait, non, je crois que je vais me déplacer rapidement. Je vais me déplacer rapidement, on va dire, à Bunker Hills. De Bunker Hills, je fais des quelques affaires. Je me fais un peu de capsule avec ce que j'ai trop sur moi. Et après, je file là-bas. Ok, on fait comme ça. Ça a l'air pratique pour tenir les indésirables à l'écart. Tu te répètes, Piper. Allez, allons-y. Un problème. C'est un bon endroit où dormir ici. Ah bon? Les tarifs sont raisonnables. Ok. C'est un genre de motel ici? Je préfère le terme de dortoir, mais le dites pas à mon père. Ça le met en boule. Quand les caravaniers arrivent en ville, il leur faut un endroit où dormir. Alors on leur loue tous les lits qu'on a de libre. Vous en voulez un? Combien de caravanes passent par ici? Toutes. La ville est pour ainsi dire à elle. Mais l'argent doit continuer à changer de main. Alors tous les caravaniers savent qui leur doit quoi. Bunker Hill fonctionne selon le principe que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Les pillards nous causent des problèmes, on leur graisse la patte. On manque de provisions, il suffit d'en acheter davantage et de les vendre plus cher. Au fait, vous parliez pas de louer une chambre? Vous en voulez une? Il veut vraiment. Comme ça, vraiment Bunker Hill se contente de mettre de l'argent sur la table pour régler ses problèmes? C'est tout ce que les gens d'ici savent faire. Dans les caravanes, tout tourne autour de l'argent. Et tous les gens qui se sont installés ici étaient caravaniers avant. Ça veut pas dire que Bunker Hill est incapable de se défendre. Mais pourquoi acheter des armes et des munitions quand quelques pots de vin permettent de régler le problème pour moins cher? Alors, vous la voulez cette chambre, oui ou non? Non. Laissez-moi y réfléchir. Cette chambre part vite. Ah bon? Elle part vite? Ok. Ouais. C'est un Pip-Boy? Ça faisait une éternité que j'en avais pas vu. Ah bon? J'ai affaire. Ok. Pas très très commode, la meuf. J'ai réparé de mes mains à peu près tout ce qu'il y a ici. Alors tout est garanti. Sauf si vous avez besoin de me rapporter quelque chose. Ok. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, achetez-le. Mon stock tourne souvent. Bon, ben voilà, j'ai fait ma vente, donc ça c'est bon. Je suis propriétaire de 3 caravanes qui sillonnent le Commonwealth. Stockton. Vous avez déjà acheté quelque chose à Good Neighbor ou à Diamond City? Parce qu'il y a de grandes chances que ça ait été livré par mes hommes. Oui, monsieur. Vous répétez à chaque fois quand je viens ici. Il n'y a pas de nous. C'est juste là en train de... Il vaut mieux... Ah, enfin quelqu'un que j'avais envie de voir, ça change. Bunker Hill a une sacrée dette envers vous. Ah bon?
après ce que vous avez fait au pillard à l'école préparatoire, ils y réfléchiront à deux fois avant de réessayer de nous doubler. Ok. C'est tout. Le marché, c'est le bâtiment blanc avec toutes les colonnes. Il y a toujours quelqu'un qui fait du commerce là-bas. Ok. Ok. Vu que j'ai trop de poids et j'ai envie de rentrer stocker ça dans quelque chose, donc je reviens. Je vais voyager à la maison et après je reviens. Donc voilà, à tout à l'heure. Et enfin, nous voilà. Donc j'ai fait mes petites affaires. Je les ai pas filmées vu que c'était comment dire très long. Donc voilà, donc je me retrouve là. J'ai fait quelques améliorations de mes armes, ainsi de suite. Il y a du fight dans le coin, donc moi je dois me diriger vers là-bas. Et comme je suis curieux, quand même, je vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ok, qu'est-ce qu'il veut lui? Là, ils sont en train de se fighter avec un robot, sérieux? C'était ouf. Putain, avec l'hélicoptère, ça va, ça. Enfin, moi, ta baisse, hein, mais j'ai pas reçu vraiment de lag pour bondir, on va dire. Ça a pas vraiment fait un ram comme d'hab. C'est grâce un peu au patch qu'ils ont mis en bêta, mais bon. Allez, je m'en vais un peu plus vers là. Ok, c'est parti. Quoi, cette ferme là? Ouais. C'est pourquoi? Monsieur Finch? Hey, vous! Oh, désolé. Je croyais que vous étiez avec cet arrêt de la forge, mais vous n'avez pas de brûlure. Ils ont pris la vieille aciérie et ils tirent à vue dès qu'ils voient quelqu'un. Ok. La forge? C'est quoi, la forge? Un ramassis de pillards, toqué de feu et de métal. Jack, mon crétin de fils, il a fugué au beau milieu de la nuit pour aller les retrouver. Il a fauché la vieille épée de mon grand-père au passage. C'est le seul truc qui me reste de lui. Vous seriez pas assez dingue pour aller la récupérer pour moi. J'ai des capsules si ça peut vous décider. Les bâtiments industriels de ce genre, ça peut être dangereux. Je vous vois venir. 200 capsules si vous me la rapportez. Et apparemment, ce n'est pas une bande de pillards ordinaires. Vous?
vous manquez pas d'air, vous. Je traîne comme un âne pour nourrir ma famille, moi. 150 capsules, c'est à prendre ou à laisser. Ok, bon... Et votre fils, Jake, vous vous moquez de ce qui peut lui arriver? J'ai pas élevé mes gamins pour qu'ils deviennent des pillards. Pour moi, c'est comme s'il était mort. Ok, bon, d'accord. Je la trouverai. Vous me rendez un fier service. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Ok, est-ce que c'est sur mon chemin? Est-ce que c'est sur mon chemin? Quête, quoi tu fais? Récupérer un, obtenir, ramener Jack à l'acier. Ouais, c'est une option. Ok, c'est là, ok, oh, ça va, c'est sur le chemin, allez. Allons le défoncer. Hop, hop, non. J'en ai rien. Ok, non, c'était vite fait. J'ai essayé de voir un truc, mais non. Ok. Ah. J'ai une arme qui a disparu là. Ok, bon. Une arme gratuite. Oui. Salut la vache. Oh la vache. La vache Kiri. Le mec est en train d'utiliser des balles fusil à pompe sur une des vaches, quoi. Sérieux. Ah le barbeur. J'avais envie de viande. Oh, j'ai le droit. Je suis libre en bois, je quand même. Bon. Ça, j'en ai plein de balles, ça, je vais utiliser le snipe. Ok, d'accord. Ok, Sugus Iron Rocks. Bon, ils sont où les méchants? Fait là, je ne sais pas à quoi ça arrive ici. Quoi? Les machins bobos? Putain, c'est les artilleurs! Oh my god! C'était pas prévu ça! Ok. What the fuck, ça a l'air fait. Ok, ils sont trop loin peut-être.
pot. Merci beaucoup. Merde, je les ai perdus. Hop, je récupère ça, c'est pour le seul là. Putain, mais vas-y là. Et là. Hop. Ok. Non, je peux passer par là. Merde, merde! Ce bug c'est un truc de la. Ouais. Je me disais, il y avait un souci. Allez, Ben! Ça devient un peu hard là. Non, on va voir ça. On va manger ça. C'est quoi, c'est que j'ai sur 3 là? Pourquoi elle veut pas venir? Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'en laissais une à la maison, ok. Putain, je me suis fait peur tout seul, les mecs. Oh my god. Quoi, il y a des trucs que je vais laisser, hein, je pense. Comme ça, là, tout ça rapporte rien, vraiment. Juste, j'en viens trop en fait. Thank you.
Mange. Mange. Et mange, là, en pleine tête. Sauter la gueule, moi. Je suis pas très loin. Dans la tête, hein. J'adore ça. Pourquoi pas. Ok, on va ouvrir ça. Merde, on a perdu un soldat. Eh, c'est un multilaser là. Allez, au revoir. Basta.
qu'on va activer ce machin. On doit bien avoir un mécanisme. Il doit bien y avoir un truc quelque part pour ouvrir. J'aimerais bien récupérer quand même le stuff, hein. Là-bas. Ah vas-y, en plus je suis lourd, c'est pas vraiment. Je crois que j'ai passé les choses à Piper. Ah peut-être là, ouais. Putain mais... Il faut détruire ça là, je sais pas, ça marche pas. Et là. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Par ici. Viens. Vous cherchez quelque chose de précis? Non, c'est juste de passer du stuff. Alors... On peut prendre ça... Ça... Voilà, du moins avec ça, j'ai plus de place pour moi. Ça là, ok, c'est le terminal ici, à mon avis c'est pour régler le machin là-haut. On fait ça. Voilà. Ça c'est nice. Voilà. Trouver comment monter en haut. Ça je prends, cellule, cartouche, grenade, augmentation, un Fatman. Attendez. Ah! C'est ça. Je vais mettre poil de vie. Ok. What? Où ça tirait? Ah oui, j'ai eu une larme là, je peux regarder qu'est-ce qu'elle donne. Tireur d'infamilité auto. Quoi, c'est ça qu'a... C'est avec ça qu'elle m'a attaqué, ok. Bon, c'est de la merde, moi je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à une arme plus pétée que ça.
quand je reviens ici et voilà. Je vais faire quelques affaires, je vais ranger mes affaires et trouver un vendeur dans ma base. Donc je reviens après cela. Donc là, à tout à l'heure. Et me revoilà. Oh shit, je respawn. Ça, j'apparais et tout, il m'attaque en mode what the fuck. D'armure, elle est un peu plus résistante donc c'est pas mal. J'ai vu que j'avais ça donc. Fuck you! Non, c'est pas grave. Non, s'en fout. Allez, on y va. Donc je vais entrer dans. Parce qu'en fait, je m'avais trompé, je pensais que c'était là qu'il y avait des trucs. En fait, c'est il faut rentrer dans le machin là. Ok. C'est dans ce bâtiment en fait. Moyen. Première erreur. Barbare, hein. Bon allez, on s'en fout, c'est peut-être rare, je m'en fous. Bon, ça, je vais pas manger parce que ça sert à rien. Donc ça, on reprend ça. Ce sera différent avec toi. Sérieux lui? Et sérieux de tomber dans le vide comme ça là? Je vais même pas toucher. C'est pas cool. Ça a cassé mon délire là. c'est pas cool du tout là. Les mecs ils crèvent comme ça en mode what the fuck, vas-y. Ils sont les cadres là. Il reste plus que
si, il y a un truc là. C'est dommage de gâcher ça. Ok. J'ai trouvé un bras. Enfin non, non, c'est pas un bras, c'est quoi? Bon, j'ai trouvé un pied. J'ai trouvé un pied, là. Merde, j'ai dû ramasser un truc qui fait pas, là. Ok, 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 d'accord, j'ai perdu un cadavre. Tiens, j'aurais dû le loot tout de suite. Ah non, il est là. Il n'y a plus que la tête. Ok, voilà. Je vais récupérer ça par-ci par-là. Hop, et... Ok. Non, j'aurais pu acheter une munition en fait. Voilà. Ben, je vais vous laisser sur cette fin d'épisode. Donc, je vous dis à plus tard, c'était Gacho. Bye bye!